président de la République française, M. Emmanuel Macron. Quelle ambiance, quel bonheur d'être ici devant vous, à Villepinte. Bah, déjà, c'est pas quelqu'un qui vient de, la politique. Donc déjà, il me paraît, à moi, c'est mon avis personnel, plus crédible que les autres. Ensuite, je trouve qu'il a des bonnes idées pour notre pays. Il connaît bien l'histoire de la France. C'est quelqu'un qui est vachement cultivé. C'est quelqu'un qui connaît bien le pays et qui a, à mon sens, compris les attentes de la majeure partie du pays. Son éloquence, son aisance, ses idées, sa conviction et même... Mais son honnêteté, sa sincérité, moi, c'est ce qu'on veut. On veut quelqu'un de sincère et d'honnête pour notre pays. Et je pense que oui, c'est le meilleur. Un projet sérieux et complet que nous commencerons aujourd'hui. Moi, je suis venu dans un état d'esprit de curiosité. Je l'avais déjà entendu plusieurs fois à la télé, parce qu'on parle que de lui depuis plusieurs mois. Donc, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut aller écouter. Convaincu ou pas, je ne sais pas, mais à voir ce que ça va donner les prochains mois. Donc, il faudrait peut-être qu'il affine un petit peu son projet, ce que j'espère qu'il... Il y a des choses à faire, hein, mais il faudra qu'il précise, hein, qu'il rentre un peu plus dans les détails pour que le projet soit crédible. Sinon, ce sera quand même difficile à dire, bon, on va réindustrialiser la France en un claquement de droit. Hein. Ça fait 30 ans qu'on se réindustrialise. Mais son diagnostic est très bon. Hein. Intimidé, terrorisé par une gauche qui décidait souverainement qui était républicain. Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Étranger. Je vous sens fond. Il est, hein, vous prenez des métros et vous prenez des trains. Vous rendez dans des gares et dans des aéroports. Vous attendez votre... Et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. Vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit. Vous vous souvenez du pays, le pays de Bonaparte et du général Le pays des chevaliers et des chantes d'âme. Ça redevient drôle. Le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand. Le pays de Bateau, avec désespoir, dont vos enfants ont la nostalgie sans même l'avoir connu. Il insinue des choses et... C'est vraiment sur le plan intellectuel, c'est quelqu'un qui est repoussant, littéralement, quoi. Il ne fait pas du tout honneur à la France rationnelle. On se demandait s'il allait finalement se déclarer après les incidents de Marseille ou pas, et puis finalement il l'a fait, un peu en catimini par une vidéo, avec une mise en scène un peu lamentable. Façon de Gaulle, sur fond de bibliothèque, avec un micro antédéluvien. Alors Éric Zemmour, ce qu'il représente pour moi, c'est plus un danger qu'autre chose, parce qu'il est plus là pour séparer et créer une haine entre nous, en fait, qu'on ne ressent pas forcément, mais qu'il est en train de créer entre nous, en fait. Et quand je vois des documentaires sur les tyrans d'avant, bah, j'ai l'impression qu'il est en train d'utiliser exactement les mêmes techniques, en fait, en remettant tout le temps la faute sur les étrangers et sur les musulmans, alors que parfois il n'y a vraiment aucun rapport. Bah, ça m'inquiète un petit peu de me dire qu'il y a des gens comme lui dans la rue, enfin dans mon entourage, forcément, qui doivent penser comme lui, alors que, enfin, on a rien fait. Enfin, moi là, je suis étudiante, je me considère pas forcément différente de mes autres potes chrétiens ou athées ou juifs ou n'importe. Enfin, je le vois pas président parce que j'aime pas son point de vue et voilà, j'aime pas son point de vue et sa façon de penser, c'est un raciste, quoi. Mm-hmm. C'est un raciste.